so I make it harder. Merci d'être venu. Une réunion spécifique sur l'entreprise Decathlon qui est partenaire chez nous depuis 7 années avec Julien Poirot, qui est le directeur du Decathlon Groupe LR, donc Oxylam, qui est un vieux poids, voilà, qui est aussi un ancien sportif de haut niveau dans la natation. Voilà. Il a eu une carrière Decathlon en rentrant par le sport et en montant tous les échelons. Je suis ravi de pouvoir venir avec vous aujourd'hui. Pourquoi je suis là? Je ne suis pas là pour moi, je suis un peu là pour vous, j'espère. Le but, c'est de vous donner un petit peu les éléments de ce qu'est l'entreprise Decathlon. Peut-être donner envie à certains de nous rejoindre aujourd'hui ou demain ou après-demain, peu importe, sur plein de métiers. Il y a beaucoup de métiers à Decathlon. Quand j'ai fini ma carrière de sportif de haut niveau, il a fallu faire des choix. Où est-ce que je voulais aller? Qu'est-ce que je voulais faire? Ensuite responsable d'exploitation, celui qui va rester un an sur ce magasin et qui j'ai repris le magasin de Groupe LR il n'y a pas encore un an. J'aurais bien remis la première série, LR520. Si vous avez la passion du commerce, si vous avez un peu de challenge, si vous avez l'humain, c'est une entreprise effectivement sur laquelle potentiellement vous pouvez vous arrêter parce qu'il y a vraiment des choses à faire. Le pire, c'est la famille. Non, c'est la famille Muguet, c'est Beauchamp, l'actionnaire majoritaire. On parlait d'une fois avec Jonathan Zinesky. Ouais. Il y a deux autres. Deux Sud-Africains d'origine. Kruger. Voilà. Et le deuxième, le nom de Donc eux ils bossent, ils sont chefs de produit pour Kickstart. Moi quand je recrute, je ne fie qu'à ça. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans le commerce, j'en ai absolument rien. Quand je suis arrivé à Decathlon, En bas, reste en bas. Voilà, super, très bien. Ok. Attention, tout est sur son maillot, t'es pas sur son short là. C'est bon. Non, c'est pas bon. Sur le short. Voilà, pile-y le short. Parce que le maillot il fait ça, et après on n'a pas de bonne liaison. Je Pression. Ok. Georges, tes cheveux, ils sont où? C'est pas mal, oui. Ça va. Là. C'est bon? Non. Ils sont où? Oui, je sais. Coupé? Pourquoi? Je sais pas, c'est comme ça. Thank you.
mix musical de l'équipe. Voilà. La plus pourrie. Ouais. Je pense que c'est Jesus moi. La meilleure ou la pire? Ah ça, c'est bon, j'ai dit la meilleure. Non, la pire, bien sûr. Et du coup quoi, genre, on va aller voir. Franchement, je sais même pas. Je sais même pas répertorier et tout. Il paraît que tu as les pires playlists de l'équipe. Il paraît. Les gens ne s'acceptent pas la culture, tu vois, le folklore espagnol. Ils pensent que le flamenco c'est du Kenji. Et... Tu contestes ton statut de pire. Je conteste non, c'est la musique et il y a le coup, c'est des couleurs, donc on ne peut pas contester. On accepte, on accepte. T'aimerais être sur le terrain? Ouais, on va voir moins de 3K. Je vais retourner très très vite parce que blessé c'est vraiment dur pour regarder là. C'est comme ça. C'est patient. Si je viens pour regarder, c'est comme je suis avec l'équipe. Ouais. Si je reste là, j'ai pas tiré la personne. Tu t'éloignes du groupe? Oui, voilà. T'as pas envie de ça? Si, oui. C'est comme ça. Il y a tout le monde de là? C'est à toi de faire le... Il n'y a pas Eric, c'est à toi de faire l'appel. Allez, combat ça. Voilà, Hervé, si vous êtes sages, vous vous relevez là. Et tu vas mourir étouffé? Mais en fait, là, pendant 24 heures, j'ai encore ici. Et tel un cri solide, je sors comme un papillon pour jouer le match contre Dolomé. Bravo!
Avec le strapé. Alors, change de côté. Petit. Tu fais travailler. Alors c'est Jésus qui réunit les apôtres au paradis, hein. Il réunit tous, il dit bon les gars, je vais me faire engueuler par le chef là, il y a des problèmes sur terre que je gère pas, c'est la drogue. Donc il faut à tout prix qu'on trouve la solution à ce problème. Donc je vous ramène tous sur terre, essayez de ramener le plus de renseignements possible sur la drogue, chacun ramène ce qu'il peut, qu'on voit ce que c'est ce problème. Donc les apôtres descendent, alors Jésus est avec ses pierres, à la porte du paradis, il dit bon ils sont remontés, non, toujours personne, tu sais. Du coup toc toc on tape à la porte. C'est Pierre qui voit la porte du paradis, il y a c'est Thomas qui arrive et dit oh Jésus, oh, qu'est-ce qu'il a trouvé? Ben moi j'ai trouvé un sac de caché d'extasy. Ah ouais, très bien, mais viens ça, on va voir ce que c'est, on va goûter, on va voir ce que c'est. T'sais. Donc il se met à table, toc toc, on tape à la porte. Alors c'est Michel qui revient, alors qu'est-ce, toi qu'est-ce qu'il a trouvé toi? Ah, moi j'ai de la cocaïne, un gros sachet de cocaïne, là, je ne sais pas ce que c'est, on va voir, ben mets ça, on va goûter. Très bien, tiens, toc toc, on tape à la porte. Il arrive encore un apôtre, il dit toi qu'est-ce que t'as trouvé? Mais, moi j'ai du cannabis, un gros sachet de cannabis, j'ai 5 kilos de cannabis, et puis, on va goûter, ben viens, on va goûter tout ça, tu sais. Et tous les apôtres qui ramènent chacun de la drogue. Et alors Jésus va voir ses pères, il dit bon ça y est, ils sont tous arrivés, il fait non, il y en manque un, et ouais, il y en a un qui n'est pas arrivé. Tu sais. Bon, ils attendent, et puis toc toc, on tape à la porte, il ouvre, c'est le dernier, c'est Judas. Tu sais, alors Judas, toi, qu'est-ce que tu as ramené? Moi ce que j'ai ramené, moi, la brigade des stupes, allez, embarquez-les tous. Ouais, alors, je crois qu'on est bien prêt pour ce soir et il y a un peu de changement, mais je pense que tout le monde est dans le même esprit, tout le monde est prêt, tout le monde a envie de jouer ce soir, donc ça va être très intéressant ce soir, mais ouais, voilà, on est tous là de ramener quelques points, si un ou quatre, donc voilà, et on verra après le match. Donc. Merci, Sonny. Merci, ça va être.